Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 333 et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se fabriquer des étagères hexagonales. Allez, c'est parti! Comme pour beaucoup de projets, la conception commence donc avec un crayon et quelques croquis, histoire de poser sur papier le concept que j'ai en tête. Taille, dimension et éventuelles variations ont été prévues, il est temps maintenant de passer au prototypage en mettant la lame de ma scie à 30 degrés et en faisant ma première coupe. L'objectif est de faire des étagères hexagonales. Chaque morceau a un angle de 30 degrés sur chacun des côtés, donc je découpe quelques longueurs avant de les couper à la bonne hauteur à la scie à onglet. J'ai mes 6 morceaux, je vais donc tenter un premier assemblage pour m'assurer que mon design est correct, et pour ça je vais utiliser du scotch, histoire de maintenir les pièces en place. Après avoir remis du scotch dans le bon sens pour qu'il tienne avec la pression, je fais un assemblage à froid et ça a l'air d'aller. Les angles sont bons, la dimension me plaît, on va pouvoir continuer le processus de prototypage. Même si mon prototype n'est pas fini, j'en colle un pour voir le résultat sans scotch et voir aussi les contraintes de collage. A priori, le collage n'est pas un problème. Même un gamin de CE2 pourrait le faire. Je vérifie que les éléments peuvent être assemblés un peu comme on veut et on passe à l'étape suivante. Je veux pouvoir mettre un fond sur ces étagères puisque le but, outre d'avoir un fond qui stabilise l'ensemble, est aussi de cacher le système de fixation. Donc je trace ça sur un morceau de contreplaqué fin, ici du 5 mm. Après avoir tracé mon fond, je démonte mes assemblages et marque les faces qui vont être usinées, puisqu'on va faire une saignée à l'intérieur d'une des faces. Je découpe mon fond à la scie à onglet et changement de support pour ma scie sur table, puisque la première saignée va se faire sur la scie sur table. Je règle la hauteur de ma scie à 5 mm et positionne mon guide. Et ici le principe est simple, je vais faire plusieurs passes à la scie sur table contiguës les unes aux autres jusqu'à avoir la largeur de saignée voulue. Deux passes plus tard, la saignée est nickel. Un tout petit peu plus de 5 mm, on va pouvoir assembler notre première boîte avec fond. J'en profite pour peindre 3 autres fonds et hop, montage de tout ça. Maintenant que mes boîtes sont prêtes, on va réfléchir au système de fixation. Et ici, on va utiliser des French clips ou tasseaux français. Donc je commence par couper un morceau de contreplaqué à 45 degrés. Je le coupe à la bonne longueur à la scie à onglet. Vous découvrez ici le principe, qui est simple mais ultra puissant. Les deux angles à 45 degrés qui s'encastrent l'un dans l'autre et qui devraient maintenir l'étagère sans problème. Je
je marque et perce la partie haute de la boîte, la partie sans doute la plus chiante, puisque les trous doivent être au bon endroit, la bonne distance du bord, et je pointe, pré-perce et assemble enfin la partie mâle du système de fixation avec deux vis. Je fixe la partie femelle sur mon mur, là aussi avec deux vis, et je peux accrocher mon étagère. C'est super simple, super pratique, puisque je peux ajuster la position latérale de mon étagère sans problème, et surtout invisible avec le fond. C'est nickel, phase de prototypage terminée, on va pouvoir passer aux deux autres prototypes pour les deux autres tailles d'étagère. Et on passe à la taille du dessus, toujours avec un angle de 30 degrés, à la scie sur table. L'un des objectifs du prototypage est aussi de pouvoir valider les processus de fabrication et de pouvoir produire des quantités significatives de pièces en un temps restreint, comme ici la phase de découpage à la scie à onglet avec une cale. Ici aussi, comme son petit frère, assemblage pour validation, traçage pour le fond. Pour la saignée, ici nous allons utiliser une autre méthode en utilisant justement la scie à onglet. J'ai restreint la profondeur de coupe et mis une cale. Donc la scie coupe toujours la même profondeur et ici aussi je fluctue plusieurs passes pour avoir la largeur voulue. Bon, le maintien de la pièce n'est pas évident, c'est clairement dangereux et je ne le conseille pas pour ce genre de pièce. Mais il faut l'essayer pour pouvoir l'exclure du processus de production finale. Le fond est en place, le tout a l'air ok, on va passer à notre troisième taille, la plus grande, et vous commencez à connaître l'histoire. On commence donc à débiter du bois à la bonne largeur, toujours avec la lame à 30 degrés, découpage avec la scie à onglet et assemblage-collage. Pour la saignée pour le fond, j'essaye une troisième méthode en utilisant ma défonceuse sous table et une fraise droite de 8 mm. Il faudra donc faire deux passages pour avoir la largeur du fond, c'est-à-dire 10 mm. C'est efficace, sécurisé pour mes doigts et surtout plutôt précis. C'est à mon avis la méthode que je vais adopter. Go montage du proto pour valider cette troisième taille. Et ben la troisième taille est nickel, donc je valide. Mon but est aussi de pouvoir vous fournir des kits à assembler suffisamment simples et pratiques. Et une des opérations délicates est le perçage des éléments pour la fixation. Donc j'ai mis en place plusieurs gabarits pour faire tout ça à votre place. Après avoir percé les éléments femelles du French Clit, je perce l'élément haut de chaque étagère pour pouvoir positionner correctement l'autre élément. Je finis enfin avec le perçage de l'élément mâle avec un gabarit tout bizarre mais qui fait le job et va grandement vous simplifier la vie lors du montage. Tous mes éléments sont prêts, il est temps d'installer tout ça. Je fixe la partie femelle du French Clit de niveau sur le mur, je pose mon étagère et c'est aussi simple que ça. Je peux mixer les tailles et les positions des différentes étagères, les espacer ou les coller à ma guise ou suivant l'esthétique du lieu dans lequel je les installe. On peut, suivant la taille, y placer des livres, des BD, des romans, des CD, des DVD, ou des babioles ou statuettes de super-héros, bref, on y met ce que vous voulez, et moi je suis super content du résultat. Trois tailles d'étagères modulaires avec fixation invisible, fond bois ou coloré, super simple à monter et à fixer au mur, j'ai adoré travailler sur ce projet et j'espère que vous aussi ça vous plaira. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ces étagères hexagonales? Eh ben moi, franchement, je suis ultra fan. Je sais pas pourquoi, j'ai une espèce de fascination pour les ruches, les hexagones, les trucs comme ça. J'avais déjà fait ça avec la boîte à lire, et là, l'objectif, bah, c'était
de faire des étagères modulaires avec différentes tailles que qu'on puisse disposer à droite à gauche pour pouvoir ranger plein de choses différentes. Et franchement, ça marche pas mal. Le système de fixation, c'est un système de French Clit. Les French Clit, j'en utilise partout parce que c'est complètement génial. C'est repositionnable et surtout ici, c'est complètement invisible. C'est caché par le fond. Et le deuxième avantage, c'est que vous avez cette possibilité de calage latéral, entre guillemets, qui vous permet justement de caler les éléments les uns par rapport aux autres. C'est super solide. Sur mon French Clit du fond, j'avais fixé mon imprimante 3D qui pèse une bonne trentaine de kilos, avec le caisson qui pèse encore une vingtaine de kilos, et ça pose aucun problème. Donc vous pouvez y mettre des bouquins, vous pouvez mettre des bibelots, vous pouvez mettre la figurine Star Wars machin truc collector que vous avez, il n'y a aucun problème. Comme vous avez vu, j'ai testé plusieurs processus de fabrication pour la création de cette espèce de saignée pour pouvoir mettre le fond. Le fond de 5 mm était trop fin, je suis parti sur du 10 mm et j'ai utilisé trois processus de fabrication. Le premier, c'est d'utiliser la scie sur table en faisant plusieurs passes. C'est pas vraiment de problème. Le deuxième, c'était d'utiliser la scie à onglet, de bloquer en fait la profondeur de coupe et là aussi de faire plusieurs passes. Clairement, c'est beaucoup plus dangereux pour les doigts. Et autant pour des pièces un peu longues, pour faire des mi-bois par exemple, ça peut être une solution viable, ici, clairement pas. La solution qui était la plus pratique et la plus sécurisée pour moi, c'était bien sûr à la défonceuse sur table avec un guide. J'ai utilisé une mèche de 8 mm, j'ai fait deux passes sans aucun problème. Bien sûr, je vous ai fait des kits pour ces fameuses étagères hexagonales repositionnables et avec fixation cachée. J'ai fait trois tailles, donc il y a small, medium, large. Je vous ai fait un prix défiant toute concurrence, bien sûr. Le small, 15 €, le medium, 20 € et le large, 30 €, frais de port compris. Je vous ai fait aussi des packs. Je vous ai fait un pack de 3 small, un pack de 2 medium et je vous ai fait un pack small, medium, large. Tout ça, bien sûr, c'est disponible sur Etsy. Précipitez-vous, puisque... précipitez-vous, parce que franchement, c'est un truc qui est génial et ce serait dommage de le rater. Je vous ai fait aussi un petit code promo. Et oui, je continue à vendre ma bouse. Je vous ai fait un petit code promo PROMS pour les 20 premiers, où je leur file 20% de réduction sur absolument tout. Donc, ce kit-là, des étagères hexagonales, mais aussi les autres kits. Si vous voulez un tabouret, un caddie à bière, même les autocollants... sur les autocollants, allez, Prums, les 20 premiers, 20% sur tout le shop, allez, fuck it. Tout ce processus de prototypage est super intéressant et super important, et c'est pour ça que à chaque fois, j'ai fait toujours plusieurs exemplaires pour pouvoir coller, voir si tout allait bien, au niveau de la taille, au niveau de l'assemblage, au niveau du processus de fabrication, et c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà. J'adore justement essayer d'aller tweaker, entre guillemets, les petits trucs à droite à gauche pour essayer d'avoir un résultat de coupe, un ajustement qui soit nickel. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'adore aussi penser justement à l'industrialisation, entre guillemets, en disant je ne vais pas en faire 5, mais si je vais en faire 50, quel est le processus, comment faire, où poser les objets, etc. Ça, c'est vraiment un truc que j'aime bien. Et puis, essayez justement de trouver des nouveaux concepts ou des concepts qui existent, mais de pouvoir justement essayer de vous fournir des kits qui soient simples à monter. Là, littéralement, vous avez de la colle, du scotch, une perceuse, un embout de visseuse, 4 vis, et tu peux monter ça sans aucun problème. C'est aussi le but, c'est justement de vous donner accès, comme pour tous les autres kits, à des morceaux de bois qui sont pré-usinés, qui sont prêts à être montés, et sur lesquels, justement, vous allez pouvoir ensuite être un peu créatif. Vous voulez le peindre, vous voulez le vernir, vous voulez le poncer, vous voulez modifier certaines pièces, il n'y a aucun problème, au moins vous avez la base et vous pouvez le faire. C'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire, tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un message et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs qui tous les mois nous envoient un petit peu d'argent, ce qui nous permet de financer certains éléments, comme par exemple acheter de la colle, des vis, toute la quincaillerie qui nous sert tout le temps. Un grand, grand merci à eux pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour cet épisode 333, la conception, la réalisation et la disponibilité de super kits pour pouvoir te fabriquer des étagères hexagonales, modulaires et avec fixation invisible. J'espère que ça t'aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.